Bonjour à tous, c'est Vinotback, on se retrouve aujourd'hui pour le test du OnePlus X, le nouveau smartphone de chez OnePlus. Je vous propose de le découvrir ensemble en commençant par le design, c'est parti. Le design, point fort de ce téléphone, puisqu'il est en verre à l'avant comme à l'arrière, traité par du Gorilla Glass 3. Il est également en métal sur les côtés, ce qui donne une vraie impression de qualité. À l'avant se loge un écran de 5 pouces qui occupe une grande partie de l'espace. Son format compact permet de le prendre à une main sans trop de soucis. En dessous se trouvent les haut-parleurs ainsi que le port micro USB. Et oui, vous ne retrouverez pas de USB type C sur le OnePlus X. Il faut quand même noter que le téléphone vaut moins de 300€, on peut donc pardonner OnePlus. Sur le côté droit, cette fois, on retrouve un bouton de volume plus moins ainsi que le bouton power on off et le tiroir pour la nano SIM et la carte micro SD ou seconde SIM. En effet, vous avez le choix entre une seconde SIM ou une carte micro SD, il va falloir faire un choix. On remarque aussi la finition sur les boutons qui est plutôt plaisante. À l'arrière, on remarque instantanément le verre qui couvre toute la surface. Il est légèrement arrondi sur les bords, ce qui procure un effet plaisant en main. En haut à gauche se trouve l'appareil photo et le flash LED. Sur la partie gauche, un bouton un peu spécial mais très utile dont je parlerai plus pendant la vidéo, il s'agit d'un switcher permettant de filtrer les notifications. Encore une fois, les finitions ne manquent pas comme on peut le voir. Sur le dessus, rien de bien spécial, le jack 3.5 mm et un microphone secondaire. Je parlais de finition, et bien voici le plus de ce smartphone, tout a été fait pour obtenir une sensation premium et c'est réussi. Ce métal strié sur les côtés agrippe notre main et complète le dos glissant en verre. Pour compléter le design, voici un élément qui partage en deux les utilisateurs, les boutons physiques. Certains les auraient préférés rétroéclairés, mais je dois avouer que leur discrétion permet au design de rester élégant jusqu'au bout. Autre élément important, sa finesse. En effet, le OnePlus X ne fait que 6,9 mm d'épaisseur, ce qui est équivalent à la finesse de l'iPhone 6. Pour parler plus généralement du design, je trouve qu'il ressemble tout de même beaucoup à un Sony Xperia ou à un iPhone 4. Cependant, il reste tout de même très bien fait. Pour conclure avec le design, je dirais qu'il est déjà vu, mais très bien ficelé, de très bonne qualité de fabrication ainsi que de très bonnes finitions pour moins de 300€. Je tire mon chapeau à OnePlus pour cet exploit. Passons désormais du côté des specs de ce téléphone. Placé dans le marché des smartphones milieu de gamme de par son prix, le OnePlus X n'a pas à rougir face à la concurrence puisqu'il arbore toutes les caractéristiques des téléphones haut de gamme de 2014 avec notamment un Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz, une puce Adreno 330 pour la partie graphique, 3 Go de RAM en DDR3, un écran de 5 pouces 2,5D Full HD de 441 pixels par pouce AMOLED, une batterie de 2525 mAh, un appareil photo de 13 mégapixels pouvant ouvrir jusqu'à f/2.2 et un capteur frontal de 8 mégapixels. Enfin, il contient 16 Go de stockage extensible par micro SD allant jusqu'à 128 Go. Le tout tourne sous Android 5.1.1 Lollipop et la surcouche maison de OnePlus, j'ai nommé OxygenOS dans sa version 2.1.3. Je vais maintenant vous parler un peu plus de mon ressenti après plus d'une semaine d'utilisation et je vais commencer par citer ses points faibles. Premièrement, j'ai lu beaucoup d'articles critiquant la batterie qui ne tiendrait pas la journée. Pour mon utilisation, il faut savoir qu'elle est amplement suffisante et je pars me coucher avec 30 ou 40% de batterie restant. Là où cela posera problème, c'est si vous regardez beaucoup de vidéos et jouez à beaucoup de jeux, je pense qu'elle ne tiendra pas la journée ou tout juste. On va désormais s'intéresser à la partie photo, un élément qui m'a un peu déçu, je dois le dire. Je vais vous faire passer à l'écran plusieurs photos et vidéos prises en mode auto avec le OnePlus X afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais en étant un ancien utilisateur d'iPhone 6, je dois dire que l'écart est flagrant, surtout en basse luminosité. Je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo qui sera un comparatif entre l'iPhone 6 et le OnePlus X, vous verrez. Certes, la qualité n'est pas au mieux, mais cela est dû au fait que je le compare avec les ultra haut de gamme des smartphones. Faut savoir pour ton prix de 269€, il y a peu de terminaux capables de l'égaler, et ça, c'est un très bon point. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'appareil photo, je vous laisse désormais observer ces quelques photos seules avec la musique.
Voilà, je vais désormais vous parler d'une fonctionnalité présente sur OxygenOS permettant d'utiliser au mieux l'écran AMOLED et ainsi d'économiser de la batterie. Il s'agit du thème sombre affichant les menus et le fond d'écran en noir. Si vous ne le saviez pas, l'AMOLED permet aux pixels noirs de s'éteindre afin d'obtenir un noir profond, mais aussi d'économiser de l'énergie. L'écran étant ce qui consomme le plus dans un smartphone, cette fonctionnalité s'avère vraiment très utile. De plus, cela ne joue aucun rôle sur la fluidité du téléphone. Je tiens également à ajouter que l'écran du OnePlus 6 de manière générale est très correct. Certaines couleurs sont vraiment trop saturées et le blanc vire vite au bleu lorsqu'on l'incline sur le côté, mais il reste assurément plaisant à regarder. Il faut savoir que c'est de l'AMOLED et que l'AMOLED est assez dur à calibrer. Voilà, parlons un peu du bouton que je vous présentais en début de vidéo, le switcher permettant de filtrer les notifications. Ce bouton coulisse sur 3 niveaux. Le premier étant celui qui vous avertira à chaque notification, que ce soit vos SMS, les réseaux sociaux ou n'importe quelle autre application. Le deuxième, quant à lui, n'enclenche la sonnerie ou le vibreur du téléphone uniquement lors d'un appel ou de la réception d'un SMS. Enfin, le troisième et dernier niveau n'affiche aucune notification, ce qui est très pratique. Je m'en sers par exemple lorsque je vais en cours afin que mon téléphone ne vibre pas en plein milieu d'un cours de mathématiques par exemple. Autre petite fonctionnalité, mais assez pratique je dois le dire, il suffit de glisser son doigt sur l'écran d'accueil afin de baisser le tiroir des notifications. C'est le genre de petit détail très agréable puisque je l'utilise au quotidien et c'est vraiment un plus. De plus, je vous parlais tout à l'heure des boutons physiques, mais OxygenOS nous permet de les désactiver et de les remplacer par des boutons logiciels, grignotant un peu de place sur l'écran. Il est même possible de pouvoir permuter ces boutons, que ce soit les boutons physiques ou logiciels, et je dois avouer que les possibilités de personnalisation sont multiples avec OnePlus, et ça rend l'expérience utilisateur vraiment agréable, c'est fluide et ça marche comme on veut que ça marche. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de comparer plus ou moins un Galaxy S6 Edge au OnePlus X, et très honnêtement, niveau fluidité, le X n'a rien à envoyer au flagship de chez Samsung. Je voulais aussi parler d'un sujet qui fâche, le système d'invitation, qui est le seul moyen de se procurer le téléphone. Oui, OnePlus ne vend pas ses smartphones comme tout le monde, alors soit vous prenez votre mal en patience, soit vous scrutez leur site en attendant une vente flash. D'ailleurs, au courant du mois de décembre, il y aura des ventes une fois par semaine où vous pourrez l'acheter librement. Je vous montre encore 2-3 petites fonctionnalités propres à OxygenOS, comme par exemple comment fermer toutes ces tâches en cours d'un seul coup, c'est assez bien présenté, mais aussi le double tap to wake, donc il suffit d'appuyer 2 fois sur l'écran pour le réveiller et pour le déverrouiller, c'est assez pratique lorsqu'il est posé sur une table. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais en conclure que le OnePlus 6 est un très bon téléphone pour son prix, je tiens bien à dire pour son prix, il n'est pas complet, l'appareil photo n'est pas au top, comme la batterie par exemple, au niveau des performances, les jeux les plus gourmands ne tourneront pas forcément, mais il reste très complet pour un prix de 269€, je le rappelle encore une fois. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous présenter ce téléphone, je vous sortirai bientôt un comparatif entre l'iPhone 6 et le OnePlus 6. Sur ce, si ça vous a plu, mettez un commentaire sous la vidéo, un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !